En déplacement lundi matin dans le nord de la France, François Hollande a confirmé que la jungle de Calais devait être complètement et définitivement fermée. Les migrants seront déplacés progressivement et réorientés vers d'autres centres d'accueil répartis en France. Si le président n'a pas donné de date pour la fermeture du camp, il a rappelé les Britanniques à leurs obligations. Je veux aussi redire ma détermination à voir les autorités britanniques prendre leur part dans l'effort humanitaire que la France accomplit ici et continuera à accomplir demain. La jungle de Calais, en partie démantelée l'hiver dernier, reste l'un des plus grands camps de migrants du nord de l'Europe. Entre 7 000 et 10 000 personnes, dont de nombreux enfants, s'y entassent toujours dans l'attente de pouvoir traverser la Manche. Lundi, le président français a déclaré que les migrants n'avaient aucune chance d'atteindre le Royaume-Uni, contrairement à ce que laissent croire les passeurs.